Verset dans sa deuxième partie. Proverbe chapitre 12. Verset 27. Je lis le tout, la Bible dit l'homme nonchalant ne routit pas son gibier. L'homme paresseux ne routit pas son gibier. Mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. D'être actif. D'être quelqu'un. Le second passage, je crois que vous avez ça aussi dans votre 19. Verset 13. Le verset premier. Ange, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne. Ce dimanche est intitulé le marketing relationnel. C'est-à-dire faire la promotion. Faire la promotion d'un produit. Faire la promotion des relations. Et comme pour le moment, nous sommes en train de faire la promotion des relations. La communion fraternelle. Parce que c'est l'objectif des relations. Faites la promotion de votre produit. Que les clients puissent en acheter, et ça va vous procurer un chiffre d'affaires important, et ça va vous générer des revenus, et ça va vous amener à devenir millionnaire. C'est faire la promotion. Et nous sommes en train de parler des choses qui vont permettre à tous ceux qui sont en train de vivre dans ce monde. Et on prie. Et la vérité fondamentale d'ici, ça vous permet de comprendre directement qu'est-ce que le marketing est en train d'utiliser. Vous savez, dans le leadership, le poste c'est quoi? C'est-à-dire que quand... Mais c'est un poste aussi d'honneur. Et beaucoup de gens... ce poste, vous pouvez être à la tête des gens, mais comprenez, si vous n'avez pas pris le leadership, vous n'avancerez pas parce que le leadership est chargé de donner enfant. Donc c'est lui qui s'occupe de... Thank you.
Les leaders avaient fait annoncer aux leaders que quelqu'un s'était glissé. Les leaders étaient furieux parce que le stock de la nourriture était très limité et devait être. Désormais, toute personne surprise à qu'elle ait volé de la nourriture se fout en public. Vous m'écoutez? Oui. Vous m'écoutez? Oui. Les voleurs avaient été arrêtés. Et n'était rien d'autre que la mère du leader. Oh, hey. Ma mère. Oh, 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 oh. Ma mère. Oh. Si vous étiez sa vieille mère, elle mourrait probablement. Toutefois, si elle ne la punissait pas, elle perdrait toute autorité et pourrait. Il prononça le cri. Et la sanction fessée publique. Il fit une chose qui troubla tout le monde. Il ôta sa chemise. Il ôta sa chemise et demanda à son adjoint de le fouetter à la place de sa mère. En même temps, il prouva son amour pour sa mère. La rançon est. Peut-être puni, mais Dieu nous aime et il nous épargne de cette punition à travers Jésus-Christ, son Fils unique, qui a payé la dette de nos péchés. Nous invite. Nous invitons l'île d'Aumba. Nous invitons au lit. Nous invitons.
son récit de formation théorique et pratique et a mis à la disposition de matières. Ces documents aux enfants. Ces matériels que les enfants vont devoir faire leur travail, évangéliser. Chacun aura une trousse, je crois, des 10 sentiers de l'espérance. Et puis. Entendre la parole à l'occasion de la collation Enfants et Espérance. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la grâce de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie. Avant toute chose, nous voudrions rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour son immense sollicitude qui a rendu possible l'organisation de la dite cérémonie, après nous avoir guidés tout au long de cette formation qui s'achève. Ensuite, nous vous saluons tous chaleureusement en ce lieu, sans oublier le membre de EE, sans qui nous ne serions pas là. C'est une marque bienveillante de soutien à notre Ekodim Réma. Puisse tout le monde trouver ici l'expression de notre profonde gratitude et de nos très sincères remerciements pour avoir accepté de sacrifier quelques-unes de leurs occupations pour venir rehausser de leur présence réconfortante dans cette cérémonie qui consacre le couronnement de notre formation de l'élite enfantine pour sa première promotion. En ce qui nous concerne, nous restons optimistes et nous croyons à ce qui est écrit. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, bien que la responsabilité de gagner des âmes soit énorme. Or, nous n'avons qu'un seul guide, Jésus-Christ. Nous nous faisons ici le devoir de remercier vivement nos enseignants qui, en dépit de tant de conditions défavorables, ont abattu avec abnégation un travail de qualité. Amen. Je n'ai plus rien d'autre à dire, sinon de vous souhaiter une bonne fête en compagnie de nous tous, lauréats et lauréats. Je vous remercie. Seigneur, que à chaque fois qu'ils ouvriront leur bouche pour vous parler, que les âmes soient gagnées et que ton royaume soit agrandi et que le futur leader, le leader potentiel, qui va susciter la voix d'autres leaders et qui font, Seigneur, tu as fait ce serment par cette église au travers de l'action de l'évangélisation qui vont être. Le 25 ans de notre vie conjugale. Avec ma charmante épouse chérie Adolphine, que beaucoup de gens connaissent, ne dit pas les aviens, Motona chérie Naé. Et c'est vraiment un sujet de fierté, et surtout que Dieu nous a bénis aussi avec nos 6 enfants, et nous sommes aussi un modèle dans ce domaine-là du mariage. On ne peut que dire à Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, parler de la famille, parler du mariage, je crois que pour beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus une valeur, mais nous sommes en train de tenir bon pour montrer que les valeurs rendent la mission ou le but, l'objectif qu'on veut atteindre possible. Et avec la famille, comme je l'ai toujours dit, aucune nation ne peut s'élever au-dessus des foyers qui la composent. Et nous sommes vraiment la démonstration de ce que je viens de dire au niveau de notre famille, parce que la famille est la cellule de base de la société. Vous êtes un expert comptable, vous êtes vraiment un économiste aguerri. Demain, vous allez commencer une autre session de réunion des affaires. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Effectivement, comme vous venez de le dire, moi je suis un économiste financier, j'ai terminé à l'université de Kinshasa depuis 1985. J'ai exercé le mandat de commissaire aux comptes, je suis commissaire aux comptes honoraire, expert comptable.
comptable, auditeur confirmé qui a travaillé dans un organe technique qui s'occupe de la comptabilité dans ce pays, le CPCC, Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Comme vous venez de le dire, demain c'est la deuxième promotion du premier palier de l'école des affaires dans cette activité de marketing relationnel que nous appelons Niva les Abiers et Associés. On vient de terminer la première promotion du premier palier. La deuxième promotion, c'est demain lundi 10 juin à partir de 9h sur Banalia numéro 34 dans la commune de Kassangou. J'invite les gens qu'ils viennent parce que nous sommes en train de former les gens pour qu'ils deviennent des propriétaires de leur propre entreprise, patrons de leurs propres affaires, qu'ils ne se contentent pas seulement du salaire qu'ils reçoivent comme employés là où ils sont en train de travailler ou bien un travailleur autonome, parce que là, il faut toujours travailler pour avoir l'argent. Mais nous montrons aux gens comment ils peuvent monter un système qui peut commencer à travailler pour eux et ils commenceront à gagner un revenu sans travail, qu'on appelle le revenu résiduel, et en même temps que l'argent travaille pour eux, parce que souvent les gens travaillent toujours pour l'argent, mais ils n'ont jamais compris que l'argent peut commencer aussi à travailler pour eux. Voilà l'école des affaires qui commence déjà demain, lundi 10 juin 2013, et qui fera seulement 2 semaines pour cette deuxième promotion. Donc voilà, c'est le mouvement. Parce que quelle surprise avec les enfants qui nous ont montré quelque chose là. Non, c'est pour dire que, comme la Bible dit, élever les enfants dans la voie du Seigneur pour que quand ils deviendront grands, ils ne s'en détournent pas. Et ces enfants de l'Écodim ont été formés par une équipe qui est venue de l'extérieur, qui fait ce travail-là parce que c'est leur ministère. Ils ont formé les enfants pour savoir comment gagner les âmes, agrandir le royaume de Dieu et manifester la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une grande fierté. C'est pour dire qu'au sein de l'Église, l'amour triomphe toujours. Nous sommes en train de poursuivre les objectifs de Dieu, entre autres l'évangélisation, parce qu'on ne va plus évangéliser au ciel. Il faut le faire maintenant pour amener les gens dans le royaume de Dieu quand ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un mot par rapport au peuple de Dieu qui vous suivent maintenant. Oh, je bénis le peuple de Dieu qui ont suivi ce que je viens de dire là. Que Dieu vraiment les bénisse et qu'il leur rende la vie selon sa parole. Qu'ils mettent toujours confiance en Dieu, surtout dans notre pays, quelle que soit toute cette turbulence. Mais je crois que là où il y a toujours des persécutions, des difficultés, c'est là où aussi sortent de bonnes choses. Et je crois que Dieu est en train de faire dans notre pays. Pasteur Dr Kapita Ombombe de l'église Amour Triomphe Toujours du ministère Rema a célébré hier 9 juin 2013 ses 27 ans de vie conjugale avec son épouse Maman Adolphine Kapitao au siège de son église assise sur l'avenue Banalia numéro 34 dans la commune de Kassavubu. L'heureux du jour donne ici les bilans de son expérience des 27 ans de mariage et la gestion de son église. 27 ans de notre vie conjugale avec ma charmante épouse, chérie Adolphine, que beaucoup de gens connaissent, Liba les Aviens, Motona chérie Naé. Et c'est vraiment un sujet de fierté, et surtout que Dieu nous a bénis aussi avec nos 6 enfants, et nous sommes aussi un modèle dans ce domaine-là du mariage. On ne peut que dire à Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, parler de la famille, parler du mariage, je crois que pour beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus une valeur, mais nous sommes en train de tenir bon pour montrer que les valeurs rendent la mission, le but, l'objectif qu'on veut atteindre possible. Dites les gens qu'ils viennent parce que nous sommes en train de former les gens pour qu'ils deviennent des propriétaires de leur propre entreprise, patrons de leurs propres affaires. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme des dieux a profité de l'occasion pour annoncer aux enfants des dieux de lancement de l'église d'une école des affaires du royaume ouverte à tout fidèle ou pas, qui consiste à former des hommes et femmes d'affaires indépendants. L'occasion faisant de la rang, le berger de l'amour triomphe toujours, s'en est servi pour donner les brevets aux enfants de l'école du dimanche et Codim qui ont suivi une formation de gagneurs d'âme. Dans cette ambiance festive, les enfants n'ont pas manqué de mots. Prendre la parole à l'occasion de la collation Enfants et Espérance. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la grâce de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie. Donc, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Prions que le Seigneur suscite d'autres serviteurs pareils. Désormais